Bonjour les enfants, je vais vous proposer une petite séance de sport à la maison. D'accord? Donc, ces séances vont être dirigées sur des enfants 3-5 ans. Oh, les 6 ans peuvent le faire aussi, il n'y a pas de problème. On va travailler énormément la motricité. Alors, pour commencer, voilà, je suis allé imprimer des pieds. Un pied gauche, un pied droit, un pied gauche, deux pieds que j'ai mis par terre. D'accord? Donc j'ai dit par terre ces différentes façons, donc il va falloir respecter le sens des pieds. D'accord? Mais avant de commencer, on va s'échauffer un petit peu. Alors, on va prendre ses poignets. Allez, on travaille sur ses poignets, on les fait rouler. Allez les enfants, on les fait rouler. On fait rouler, on fait rouler, on fait rouler. Très très bien. Ensuite, on va faire rouler les bras. On fait rouler les bras. On fait rouler les bras, ça c'est très très bien. Une fois qu'on a fait rouler les bras, on va faire rouler les épaules. On a bien fait rouler les épaules, on va faire rouler le bassin. Voilà, très très bien. On fait rouler le bassin dans un sens et on fait rouler le bassin dans l'autre sens. Très très bien. On attrape les genoux, on serre les jambes. Allez, on bouge les genoux. On bouge les genoux dans un sens, on bouge les genoux dans l'autre. Ok. Ok, on met sur la pointe des pieds et on roule les pieds. On change. Très très bien. Allez, on saute un peu, on échauffe les jambes, bien, on se déplace à droite, on se déplace à gauche, sur un pied, l'autre pied. Allez, encore une fois. Voilà, bien, on va pouvoir commencer l'exercice. Donc, j'ai posé les différentes marques par terre. On ne marche pas dessus, sinon on va tomber. On saute d'un côté. Donc là, le parcours, c'est deux pieds, pied gauche, pied droit, deux pieds, deux pieds. Donc, on se met devant, on saute. Tac, 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 hop, hop, et on sort. On sort, on ne fait pas chasser, et on revient. Deux pieds, droite, deux pieds, je ressors, pas chasser. Attention, on accélère. Deux pieds, un pied, un pied, deux pieds, deux pieds. Pas chasser dans l'autre sens. On se repositionne. Deux pieds, un pied, un pied, deux pieds. Et je sors. Super. On va changer l'exercice du bout. Donc, le parcours reste toujours le même pour l'instant. Et arrive là-bas, on va monter les genoux très grands pour aller de l'autre côté. Donc, on y va. Allez. Deux pieds, gauche, droite, deux pieds, on lève les genoux. Des grands pas. Super. Allez, deux pieds, tac, on fait en arrière. On recommence. N'oubliez pas, un grand pas, en montant bien les genoux. Allez, deux, un, deux, en arrière. Très très bien. Donc là, on va essayer de le faire un peu plus vite. 3, 2, 1, c'est parti. Ah, je me suis trompé, je recommence. Ça arrive. Allez, tac. Pas chasser. Hop. Pas chasser. Deuxième, vous vous en rappelez. Grand pas. Hop, en arrière. Voilà le premier exercice. Donc ça, cet exercice, on peut le faire différentes façons. On peut positionner les pieds comme vous voulez. Vous en imprimez plein et vous les mettez par terre. Donc ça, c'est un premier exercice. Ensuite,
Tout le monde doit avoir un ballon gonflable à la maison. Si ce n'est pas le cas, vous prenez un ballon normal, vous faites attention. Donc là, on va travailler. On va prendre le ballon. On va descendre. Et on va sauter. Tac. Ok, on prend son ballon. Attention, on ne doit pas le perdre. Tac. En arrière. Tac. Encore. Hop. Arrivé ici, on le jette. Un. Attention, on rattrape, on serre bien les mains. On jette, on rattrape, on jette, on rattrape et on recommence. Un saut, deux sauts, encore un. On repart en arrière. Tac, tac. Et voilà. Ok, on relance. Un. On laisse retomber, on attrape bien. Super. Alors, là, on l'a fait avec un ballon. On va se concentrer pour le faire avec deux mains. Si vous n'avez pas de ballon, vous prenez des balles de tennis, c'est pareil. On jette, on rattrape. On jette, on rattrape. D'accord ? On jette, on rattrape. Encore une. Je jette, je rattrape. Ok pour tout le monde ? Ok, on reprend notre petit parcours, donc on saute et arrive au bout, on part en, on va faire l'araignée, donc 2, 1, 2, tac, tac, on se met en arrière, on monte, hop, on se relève et c'est reparti, et l'araignée, on lève bien le ventre. Les deux pas. Et cette fois-ci, on fait à quatre pattes. Les deux. À quatre pattes. On le refait encore une fois. Allez. L'araignée. Voilà, super. Alors, pour finir, on va faire un petit jeu. On va ramasser ses pieds. D'accord ? On ramasse les pieds. On va les mettre à l'envers. Ok, donc on va compter, on va tourner, pardon, on tourne, quand on va dire stop, vous allez retourner une carte, stop, on tourne à deux pieds, stop, encore deux pieds. Attention, c'est quel pied celui-là ? Pied gauche. Stop. Deux pieds. Ok, donc on peut le faire comme ça tant qu'on n'a pas retourné toutes les cartes. Vous jouez avec papa, avec maman, avec les frères et sœurs sur ce jeu-là. D'accord ? Le petit parcours. Vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée. D'accord ? Et je vous dis à la prochaine. Et pour la prochaine fois, je vais vous demander de vous fournir
des paires de chaussettes en boule. Des paires de chaussettes en boule et vous verrez pourquoi. D'accord? À bientôt!